Voilà, alors je vous explique un petit peu. Ce soir, on joue à Vaison-la-Romaine. Et donc, Vaison-la-Romaine, je vous explique le truc. Il y a 48% d'électeurs du Front National. Voilà. Et moi, il y a quelques années, j'ai traité les électeurs du Front National de fils de pute. Voilà. Autant vous dire que, à ce qui paraît, on m'attend de pied ferme. Là je reçois sur Twitter, c'est assez marrant. Regarde sur Twitter, on va te défoncer la gueule, sale arménien. Voilà, c'est pas mal. Un autre message, on t'attend de pied ferme, fais gaffe à ton visage. Twitter. Et là regarde, ton spectacle c'est vraiment de la merde. Voilà. Ah non, ça c'est ma mère qui m'envoie un SMS. Enfin bref, voilà. Tu as pu suivre même là en fait. Voilà, alors en fait c'est ça. C'est bien, c'est que quand tu vois l'état des chiottes dans un TGV, tu te dis, est-ce que le TGV il a fait des loopings en fait? Parce que là c'est... ça, ils ont même mis la pompe à eau. Parce que dans le TGV, tu l'avais, tu appuies sur la pompe à eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire payer des amendes, tu vois, en mettant ta carte bleue. Et ça marche à 320 km/h, mais l'eau, t'es obligé de pomper. Ouais, j'ai plus envie de rien faire. Non mais toute cette histoire à Vaison-la-Romaine, on en parle, mais c'est sûrement exagéré quoi. Il faut pas non plus monter ça en... Hé, on tient ça à Vaison-la-Romaine. Bonjour. Bonjour monsieur. Un café s'il vous plaît. 15 euros s'il vous plaît. Bon, je vais prendre le sucre. Tu vois, ils disent qu'il n'y a pas de place, tu sais, pour les migrants, pour les réfugiés. Viens-moi ça. Il n'y a que ça de place. Viens-moi ça. Il y a de la place. Hein. Et d'après toi, qu'est-ce qui cache? Je te présente le seul mec qui veut faire ma première partie, mais à Vaison-la-Romaine en fait. On le prend pas à Paris, on le prend que sur des situations à risque en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bon, c'est je... un peu le casque bleu du stand-up. Parce que nous, c'est voyage en terre inconnue, enfin, c'est pour lui en fait. Tu vois, à Mac des Bains à Vaison-la-Romaine. Il n'y en a pas à Vaison, ce qui paraît. Il n'y en a pas. Il y en avait un, ils l'ont mis dans une réserve. Et le dimanche, ils vont prendre des photos. Il dit, approchez-vous, il y a un maghrébin. Et t'as les enfants qui sont comme ça. Il est derrière une classe, il est grave. Regardez, c'est Aziz. Merci Cyril Hanouna. Petite merde. Voilà, là on s'approche de Vaison-la-Romaine, ça se voit, regarde. Il y a la brume qui arrive. Tu vois, on sent le... On sent l'ambiance Front National, tu vois. Il faisait beau, il t'approche, il commence à y avoir de la brume qui arrive. Les vaches commencent à mourir toutes seules, tu vois. Et là, tu vois, voilà, là, t'es des migrants qui courent et des chasseurs qui les poursuivent. On arrive bientôt. J'ai tellement hâte. On arrive à Avignon, en fait. Et à Avignon, on prend une voiture qui nous amène à Vaison-la-Romaine, où là, normalement, déjà, il y a un défilé du Ku Klux Klan devant la mairie. Donc, c'est dimanche, toujours un défilé du Ku Klux Klan. Vaison-la-Romaine. Et au niveau de sécurité, il y a du monde ce soir pour un... Il y a la police municipale, il y a la gendarmerie locale, il y a le PSIG et il y a une boîte de sécurité avec deux agents. Il manque que les experts Manhattan et on est bon. Des lecteurs FN sont des fils de pute. Ouais, mais à l'écrit, c'est pas marrant. C'est ça que je veux dire. Dans le spectacle, c'est marrant, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est dans un spectacle. C'est quand t'enlèves la phrase et tu la mets là, à côté de ma gueule, là, comme ça, agressive, c'est clair que c'est pas marrant. Hein. Mais je vous assure, normalement, c'est marrant. Bah, tu vois, l'avantage quand t'es en tournée, et quand t'es une star, c'est que t'as d'autres stars qui viennent te voir, ou que tu joues. Voilà. Bon, des fois c'est des endroits reculés, ce qui explique que. Mais ça va. Et honnêtement, si vous voyez un point rouge se balader sur mon corps, prévenez. Il est bientôt 17h04 et je suis toujours en vie. Si vous retrouvez cette vidéo,
dit à mes parents que je les aimais. Je suis habillé comme un boulanger. Qui veut des chocolatines? Dis-moi. J'ai une première partie extraordinaire ce soir. Je l'ai fait venir exprès de Paris. Il est maghrébin. Voilà, je vous le dis, vous pouvez prendre des photos avec lui si vous voulez. Le toucher, l'approcher, le nourrir. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Mesdames et messieurs, faites une ovation pour monsieur Redouane Bouguerra, s'il vous plaît. Plus fort. Vous avez déjà regardé l'épisode de Plus belle la vie? On n'y croit pas, c'est pas crédible. J'ai essayé, j'ai regardé l'épisode 2428. Le jeune homme arrive en Vespa, flambant neuf, dans le quartier le plus chaud de Marseille. Il met le scooter sur béquille. Il a ses clés sur le contact. Il monte au deuxième étage, il tape des bises et personne ne lui vole le scooter. Viens dans mon quartier à Marseille, le scooter, tu mets le bloc, tu l'attaches avec une chaîne granite autour d'un poteau, tu mets un noir, sécurité devant. Tu le perds de vue deux secondes, on t'a volé le scooter, la chaîne, le poteau, le noir. Oui, j'ai traité les électeurs du Front National la fuse de pute. Je me suis excusé, bien sûr, pour toutes les putes que j'ai pu offenser. Et c'est ma façon de parler. Même mon père, il me dit fils de pute. C'est pour faire chier ma mère. Donc j'étais puni, parce qu'en France, tu n'as pas le droit de traiter les électeurs du Front National la fuse de pute. Déjà parce que c'est un gros mot. Et en plus, c'est difficilement vérifiable. Non mais tu peux pas aller chez Jean, bonjour madame, votre fils, votre Front National, est-ce que pour 20 euros vous acceptez? C'est trop long. Bon, le bilan, très déçu de Vaison-la-Romaine. Il n'y a pas eu de bagarre, pas eu d'incident, pas eu de bide. Il n'y a eu que des crises de rire. Bon voilà, très très déçu de Vaison-la-Romaine. Vraiment, le Front National, vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu. Oh là là là, je suis dégoûté.